Voilà des clients qui, depuis plus de 5 ans et demi, sont sous contrôle judiciaire pour une prétendue escroquerie volumineuse, importante, mais c'est une montagne qui accouchera d'une souris. Certes, il y a peut-être eu du travail dissimulé, mais ça, c'est du fait du gérant. Elle n'était que secrétaire comptable, elle n'est pas responsable de ce que faisait le patron. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, elle vit tranquillement en Guyane, ma cliente, qu'elle n'est pas venue à l'audience comme la loi lui permet avec un mandat de représentation. Et moi-même, en l'espèce, j'ai assuré sa défense. Mais il est évident que cette dame aujourd'hui n'a pu avoir quoi que ce soit à voir avec ce monsieur. Les ponts ont été rompus. Et l'attitude qu'il avait dans son entreprise, quelle qu'elle soit, cette attitude, c'est au tribunal de juger. Mais nous ne sommes pas complices de cela. Nous n'avons pas à être condamnés.